C'est parti! On accélère doucement! La vitesse de pointe, on l'a dans la courbe! Il est 6h35 tous les matins cette semaine pour, encore une fois, étirer d'un petit 10 minutes cette semaine. À partir de la semaine prochaine, ben, on va commencer l'affûtage un petit peu, donc diminuer le volume d'entraînement, moins de courses, mais garder la même vitesse de course pour se préparer pour le grand défi. Ça marche? Oui. Messieurs, dames, bonne journée à vous! Yes, sir! Bravo, Camille. Bon matin tout le monde en ce vendredi 23 mai. Aujourd'hui est un grand jour. En effet, c'est après plusieurs mois d'entraînement que les 30 coureurs du Cégep Édouard-Montpetit qui ont été choisis suite à des évaluations vont participer au grand défi Pierre Lavoie accompagné de plusieurs autres cégeps et écoles secondaires. Le défi consiste à ce que l'équipe parcourt la distance Québec-Montréal à la course à pied sous forme de relais. C'est 270 km. N'oublions pas que c'est une première pour le Cégep Édouard-Montpetit ce matin. Alors on leur souhaite particulièrement bonne chance ainsi qu'à tous les autres coureurs. Bonne journée à tous! Ça nous amène pas vers Montréal. C'est un 7 km additionnel. Il y a du monde qui va le faire. Puis c'est bien correct, on est là pour ça qu'ils sont en forme. Moi, je me dis plus. Moi, c'est plus le demain. Ben, il nous reste autant. Demain, il reste autant que ce qu'on a fait aujourd'hui. T'sais. Puis déjà, ça a été lourd déjà. Bon début de journée tout le monde ce samedi 24 mai. On se rappelle que ce matin encore, les coureurs du cégep Édouard-Montpetit en sont à leur deuxième journée de course dans le cadre du grand défi Pierre Lavoie. La fatigue commence à se faire ressentir, mais ils ne sont qu'à 30 km de Montréal. On les encourage donc une dernière fois avant de les retrouver à la fin de la course qui se trouve au Centre des sciences de Montréal.